tous, on se retrouve sur Galactic Science. Oui. Ah merde, j'ai pas pris mes torches en redstone, mec. Bon bah tant pis. Moi non plus. Ah, mais ils vont rien voir. Attends. On est à 1000 cubes de chez nous. Oh merde, on est trop loin. Attendez, je vais réfléchir à un truc. Bon! Bah c'est mieux, hein? La solution, c'est on s'est foutu night vision, les gars. C'est surtout pour vous en fait. Hein. Nous, on arrive à voir, mais c'est vrai que des fois après les rendus vidéo et tout, on s'est mis night vision, ce serait quand même plus agréable. Aïe. Ah bah, j'ai pas pris de dégâts. Alors, c'est pas le même donjon que la première fois parce que. Donc, c'est vrai enfin, on y a pensé un moment, puis on n'y a pas repensé après. C'est que du fer, on en avait dans le premier donjon là qu'on a croisé. Il y avait tous les barres de fer là. Ouais. Taper des barres d'ailleurs avec ce squelette. Et du coup, par contre, on sait pas où il est le premier donjon, on n'a pas réussi à le retrouver. Bonjour monsieur squelette, comment allez-vous? Donnez-moi des flèches. Ah bah bien, moi je suis une pioche en fer donc du coup c'est long. Oh, il m'a donné une tête! Ah good. Ah, et des flèches. Alors, les flèches, c'est bien pour avoir du. C'est quoi, c'est le NA? Je viens plus. Oui c'est ça, nitrate. Nitrate. Oh un coffre. Coffre. Un coffre, vite, vite! Tout ce coffre! Oh, des cactus, mec. Ah, des underlilies. Je prends. Ah, c'est bon ça. Oh, on a une Moondyne Power Catalyst. Bon, tiens, je Ok. prends tout. Et j'ai aussi un contrant de cristal. Ça, c'est pour truc de Doctor Who, ça. TARDIS mode. Ah, good. On va Tant pouvoir mieux. se téléporter partout. On va peut-être passer de planète en planète. Bon, du blé. Du quartz. Eh, hey, mec, on a une. Attends, il n'y a pas du quartz là-bas, tu l'as pris, non? Oui, tiens, je l'ai. Putain, Il y en a vas-y, 6. envoie-le. On a une quête où faut faire 10 de quartz. Bah voilà, on va le décomposer, le recomposer, ça va être vite vu. Hop, tranquille. C'est pas mal ces petits donjons. Bon, ceci dit. Oh putain, en plus, mec, j'avais tout préparé pour faire le quartz. J'avais en fait enfin mon gallium arsenide. Ah Bonjour. bah voilà. Oh bah c'est encore un skeleton boss. Ouais, frérot. Putain, le bruit ignoble. Non, pourtant, c'est bas, mon sang, mais. Allez, vas-y, éjecte-moi. Ah, la salope! Oh, t'as réussi à brûler, toi? Oui. Elle meurt? La clé, la clé! Merci. C'est Tiens. bon! Épée a eu la clé! Oh! Oh, elle flotte, c'est beau! Elle Ah oui, j'aime flotte. bien quand tu la portes, en plus tu la portes devant toi. Ouais. Hey, mais il y a de la glowstone aussi, mec, hein, on va tout prendre. Oh. Oh, bah on avait encore un war. Oh, des pizzas toujours. La Nether Wart. Une saddle. Oh, on a un conduit de probe. Je Feu de prends fer, tout. pas mal. Bon, bah écoute. Go Tranquillement, hein. prendre cette glowstone. Bon, on en a pas mal à la maison, parce qu'on en avait qui produisait. Par contre, c'est de la redstone qu'on a plus. Ouais. Mais on va en produire, on va vous montrer vite fait. Donc les machines ont tourné Beaucoup de temps. pendant voilà très longtemps. En fait, il y a eu deux batchs complets de. C'est quoi tes lunettes, mec? What the fuck? Amazing technology color. Ah, mais c'est pas le TARDIS mode ça aussi? Non, open block. Ah, c'est open block, putain. Et ça change quelque chose à ta vision ou pas du tout? Pas Non. du tout. Ah, C'est mais le style. c'est trop le swag. Et mec, elles sont excellentes. Excellent. Et du coup, oui, on a fait deux batchs complets de... J'arrive à parler, oui. De gravier. Par contre, on va faire pour la redstone, parce que ça produisait pas la redstone. Mais du coup, on a masse ressources. On doit avoir 5 stacks de fer, je crois. Quelque chose comme ça, de l'alu. Là, on va en avoir encore plus avec ces barres de fer. Ça va être cool, ça. Ça, c'était une bonne idée d'aller les prendre. Effectivement, on n'y a pas pensé au début. Bon, je crois pourtant que je l'avais dit, et puis on n'y a pas repensé après avoir buté le... Le boss squelette. Ah, ça par contre, c'est pas ouf. Hop. Voilà. Bon, on prend tout ça et on se retrouve à la maison. Ouais, on est de retour à la base. Avec une belle tête de squelette en bonus. Et toujours des lunettes aussi swag, n'est-ce pas? Alors, tout n'était pas cuit. Tiens, on va faire. Voilà. Finissez de cuire, justement. Pas content, pas content. Hop, quasiment tout était cuit. Alors regardez ce coffre trésor.
Le seul chose qui nous manque, c'est de la redstone, parce qu'évidemment, donc ouais, là j'ai 4 stacks et demi de fer, et attends, j'en avoir encore plus. Parce que, évidemment, hop, j'ai mon silicone et... Ah merde, le nitrogène a été pris et envoyé à la poubelle, je crois. D'ailleurs, on pourrait... Y a pas un... on peut pas utiliser un levier pour désactiver les... Bon, c'est pas grave pour le nitrogène, pour les deux flèches. Les conduites là, au lieu de les casser à chaque fois. Non. Alors, par contre, ce que je peux faire, c'est ça. Ça là, ça arrête de foutre de l'eau. Et on va casser ça. Voilà. Comme ça, on est tranquille. Ça évitera de pourrir le machin. Donc, niveau décomposition. Tiens, vas-y, je vais sortir les hydrogènes. On va les remplir ici. Vite vu. Qu'est-ce qu'on voulait décomposer? Tiens, un os, ça se décompose en quoi? Oh, de l'hydroxylapatite. Ça c'est cool. Putain, on a masse de trucs, vas-y, on garde. Qu'est-ce qu'on voulait décomposer aussi? Les barres de fer. Bah, ça fait pas mal de fer. Ça nous donnait du fer, c'est cool. Ça Ah c'est oui, ça fait bien. même masse fer, mec. Bah une Et. barre c'est égal à 6 de fer donc. Ouais, une barre égale 6 de fer. Ok. Et. Attendez, il est où mon bouquin? Je vais voir si ça l'a pris en compte le quartz ou pas du tout. Ah bah si, j'ai deux. Ah bah ça l'a pris en compte. On fait un Star Harvester ou un Solar Panel? Attends, faut regarder. Qu'est-ce qui coûte le plus cher? Faut voir. Alors attends, à part que je vide des trucs. Bref, le setup commence à tourner. Aujourd'hui, on va peut-être essayer de faire une méga usine à bois automatique. Une vraie. Si ça te tente, on a tellement de choses dans ce coffre, on a trop de magnésium oxyde. Hop. Ah, on peut le jeter. On va faire du fer. Tu te souviens le... Ouais, pour faire le gallium arsenide, bah ouais, on l'avait, bon, c'est pas grave. Tu te souviens le fer combien c'est? Je suis con, on doit avoir quelque chose. Le faire, hein? Bon, pour produire du fer, c'est 16, d'accord. Produire des lingots. Ah oui. Alors, ça nous a donné combien? 23 de fer déjà, ça. Ok. Je reviens. On va chercher ce qui nous reste. Je suis en train de faire un autre décomposeur. Oui! Ah, ça c'est une bonne idée. Parce qu'on va certainement avoir besoin d'un autre de décomposeur. Donc en faire plusieurs, c'est pas stupide. C'est ça. Voilà. Donc du coup, on a du Nether Quartz. C'est quoi? Je vais le mettre ici, Nether Quartz. Mon gallium arsenite, je suis un peu triste, du coup je peux l'utiliser. En tout cas, ça tombe bien. On va certainement avoir besoin de plus d'énergie à un moment. Pour ça, on a deux solutions. Soit produire des réacteurs à fusion. Mais je pense qu'on est un peu de short en matos encore. Soit faire plus de Stirling Engine. Il y a moyen, alors on m'a dit dans les commentaires, de faire une usine qui marche très bien en termes d'énergie et on va essayer de la faire justement, mais pour ça il faut qu'on ait une usine à bois avant parce qu'on va utiliser pas mal de bois. Et l'idée c'est de décomposer le bois pour en produire du, putain je me souviens plus du composant, mais un composant qui dure très longtemps dans les Stirling Engine. Un stack ça fait 2 heures en gros. Oh bah ça va. Donc si on a ça, on peut en alimenter énormément. Hop, on va recouper ça. Oh merde, j'ai pas gardé le... Bah, tu sais quoi, on va la rapprocher. Voilà, et ça devrait retourner automatiquement. Toujours mettre l'hydro... Ah bah j'ai du nitrogène. Ah bah non, le nitrogène, je l'ai gardé. C'est bon, je croyais qu'il a été jeté à la poubelle, mais non, il est là. Cool! Et on va produire le reste de fer. Bon, bah, on va préparer tout ce qu'il faut pour les quêtes et tout. Puis on se retrouve après, comme d'habitude. Merde. Ah. Alors attends, combien on a gagné de fer avec ces... Hop là. Ah, très bien. Toi, t'as récupéré un coffre. Parce que... Je sais pas si j'ai... Ah oui, un coffre. Ah bah tiens, ça tombe bien parce que... Il n'y a plus de place là-dedans. Voilà. Mec, un stack et 16 de fer quand même, hein, dans le donjon. Oh Donc bah ça va. c'est pas dégueulasse. Avec ce qu'on a déjà, ça en fait beaucoup. D'ailleurs, tout a fini de cuire, attends, je vais regarder. Alors, combien de stacks de fer en tout? 1, 2, 3, 4, 5, 7 stacks de fer.
Bon, c'est Ça bon. va, c'est pas dégueulasse. Alors, l'autre truc qu'il fallait faire, c'est on va faire passer du Moonturf parce que le Moonturf produit de la redstone, 50% de chance, et de la glowstone, chose qu'on a peu. On s'en fout un peu plus. Mais le Moonturf, c'est oxygène et silicone, et on en a masse parce que le silicone, on en a via l'obsidienne, et l'autre, c'est l'oxygène, bon, on n'en manque pas. Donc je vais produire masse de ça, comme ça on va le sifter. Et on sera tranquille, et hop, on prend un peu d'oxygène, on a largement suffisant, je pense. Quoi qu'il faut peut-être décomposer le sable. Ouais, c'est du silicone dioxyde que ça produit. YOLO. Ah oui, j'ai décomposé le sable, moi. Ah oui, t'es comme ça, toi. Au lieu de décomposer le. Potassium. Ah ouais, comme ça on a l'oxygène dedans. Good. Au lieu de décomposer la. L'obsidienne. Attends, non, c'est du silicone qu'on doit avoir besoin pour produire le Moonturf? Ouais, c'est du Oui. silicone. Ouais, c'est bon. Bon, bah bref, les gars, on se retrouve plus tard. Oui. Alors, maintenant qu'Épée a planté les petits Enderlilies illicites, je sais pas si ça va pousser rapidement ou pas. 3 heures sur le landstone et en 15 heures sur la terre normale. C'est toi qui as lâché ta coiffe? La magnifique. Ta Oui. magnifique coiffe, c'est rigolo. Magnifique. Regarde, toi t'as les lunettes, moi j'ai ma coiffe de pharaon. Oh, tout mignon. C'est swag. Du coup, alors on continue un petit peu les quêtes tranquillement. Je veux faire cette usine à bois. Pour ça, on va avoir besoin de. Tiens, vas-y, je vais faire des canisters de pastèque aussi. Pourquoi l'usine à bois? Donc, comme je vous l'ai dit, ça va permettre d'avoir de l'énergie infinie, du bois infini, toujours être utile, et des pommes aussi, mine de rien. Et les pommes, c'est bien. Parce que les pommes, ça donne de la bouffe pour faire des canisters de pommes. Parce que les canisters de melon, c'est pas trop ça. Ça dure pas ultra. Ah bah tiens, j'ai jeté mes canisters. Ça dure pas ultra longtemps. Ça pousse. Mais pour ça, faut qu'on automatise un peu tout pour que on produise notamment automatiquement les haches. Ah oui. Voilà. Et donc pour ça, on va avoir besoin de ce machin-là. Le crafting tier. Voilà, on peut automatiser. Donc, crafting tier, comment on craft ce machin? Crafting. Je le vois pas. S'appelle comment, mec? Ah, crafter, putain. Un crafter tier. Ah, on a tier 1, tier 2, tier 3. Bon, tier 1. Ça va, tier 2. Oh bah ça va putain. Bon ok c'est pas très compliqué hein. Ah bon? Ouais à chaque fois tu rajoutes deux torches de redstone. Ça peut juste gérer plusieurs recettes à force que tu passes du craft 1. Ah t'avais planté des cactus. Craft 1 au 2 au 3. Bon pendant ce temps vous voyez on produit de la redstone, plutôt cool. Hop. Qu'est-ce que je voulais faire d'autre d'ailleurs? On reste du bois. Donc faisons notre crafting tier 1. On a besoin gold, fer et lapis. Crois qu'on va avoir besoin de deux de crafting tiers, donc je vais en faire deux directement. Dum-pa-dum. Ah oui, on devait pas essayer d'aller dans le Nether. Ah oui, on voulait faire ça parce qu'il y en a qui nous ont parlé du Nether. Donc on va essayer d'y aller. Et je suis quasiment sûr que c'est désactivé en fait. Hop. Je crafte juste mes trucs, mec. Moi j'adore, on peut laisser nos pattes sur l'obsidienne. Le truc logique. Hop. Et deux. Faire quatre torches. Table de craft aussi. Hop. Voilà, j'ai mes crafting tiers. Bah tiens, la quête du coup est remplie. On prend quoi? Transfer node? Non, énergie conduite. C'est un peu plus relou à choper. Donc, oh, et en reward, on a un crafting tier 2. MDR. Bah déjà, il y a pas d'air, donc la flamme n'est pas près de popper. Ah, excellent, faut qu'on fasse un quintuple compressé de cobblestone. On va faire. Ah, bah oui, il n'y a pas d'air, on peut pas l'allumer. Mais s'il y aurait peut-être l'air, pourrait peut-être y accéder. Mais pas sûr. Je pense pas, hein. Faudrait qu'on le fasse dans un sas. Faudra qu'on fasse un sas d'airlock. Ouais. Mais je suis même pas sûr. Bon, bah. On va tourner court au truc.
Ok, excellent. Mec, on va faire... Alors, attends, je vais même faire un crafting tier 3, vous savez quoi, vu ce que ça coûte. C'est le petit qui pousse des cris? Ouais, il est... ça l'éclate. Et regarde ses joujoux, il fait... Ouais, trop cool! C'est des petits cris d'exclamation. Alors, crafting tier 3, attends, vas-y, je vais le brancher en bas. Non, faut que je le branche près du tank à cobble. Ah mais on a pas des... Ah je peux pas le... On peut pas le... On peut les déplacer les tanks? Si t'avais fait un trolley je crois. Un trolley. Ouais, tu te souviens pas? Sinon je troll. Ah il est là. Un dolly. Ah oui. Ah, comment ça marche le dolly tiens? Shift click. Ah excellent. Oh putain par contre je suis loin. Ouais, après oui. Vas-y on va lâcher ça. Enfin attends. Ah, On va brancher quoi ça de... ici. Wow! Comment ça C'est cher. marche? Alors attends. Vas-y, j'ai... Oh putain, par contre, je l'ai pas mis dans le bon sens. Ah ouais, mais Alors... non, c'est cher ce truc. De quoi? Un polytool de Mindshem. Il faut 4 stacks de carbone nanotube. Ok, au revoir. Ouais, bah En j'attendrai que gros... la farm de bois se fasse. Ouais, de bois c'est automatique, on va produire du carbone en masse. On va automatiser un peu tout ça, ça va être propre. Alors attendez, il faut qu'on fasse de la quintuple cobblestone. Bah c'est vite Parce vu. qu'en quête, on a un airlock contrôleur. Ah. Et du barium et de l'hélium qui permet de faire à peu près les fusions de Manchem. Ça, c'est cool. Comment on fait? Ah oui, d'accord, ça la produit directement. Oh, ok. Ça produit le résultat ici. Et ça. Donc là, on va avoir de la double. Je crois que de toute façon, on n'aura jamais assez de cobble. Bah, faudra en refaire. Oui, bah oui. On a de la double. Alors attendez. On va voir si ça s'enchaîne tout ou pas. Ah non. Mode fast. Comment on fait pour... Oh, je connais pas du tout. Ah bah Ok. c'est RF Tools. Oula. Ah, ok. Alors. Intérieur, intérieur. Oh mec, c'est tellement rapide. C'est génial les crafting tiers. Bleu, 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 bleu. Ah bah ça s'est bloqué Utilise ou quoi? tellement d'énergie pour le faire. Bah pour De quoi le crafting tiers? Non. non, pour convertir l'énergie. Ah oui. Bah Oh. Ah c'est toi qui as fait ça? Tipé un peu. oui. Ah, plus d'énergie. Ah là ça pue d'énergie. Bon c'est pas grave, j'ai ma triple, faut attendre. Le problème c'est qu'il faudrait qu'on... Ouais ça pue d'énergie, qu'on le mette près du générateur à... C'est quoi, on va déplacer le générateur à cobble ici. Ouais, Bon on déplace tout ça les gars et on se retrouve un peu plus tard. oui, des fours. Bonjour. Oxygène. Du coup pour enlever les bouteilles là-dedans. Ouais. Mais elle est énorme cette bulle. Ouais. Elle part d'où? D'en bas? Elle part juste du cube qui est en dessous de là. C'est bah ouais, en bas tu peux. Mais t'as mis quoi? T'as posé quoi? Un C'est bubble ça là? distributeur. Ah, oxygène distributeur. Bubble visible. Ok, cool! Ça, c'est chouette ça. Ça, on est tranquille. Et du coup, ouais, quand on est là-dedans, tu vois, l'oxygène, elle est pas indiquée à gauche. Ok, on a un deuxième chemical décomposeur. Bon, on avance petit à petit. Attends, elle est grosse la bubble ou pas? Aïe. Oui, bah oui, après, si tu sors de la zone, ça va pas le Bah, faire. pourquoi il me disait que mon setup était pas bon? Mec, j'ai de l'oxygène. Ouais, des fois, il te dit que c'est pas bon. Ah bah, parce qu'il n'y a plus de. Y a pas assez d'oxygène. Faudrait que j'en rajoute. Ah, ça en produit pas assez, ouais. Not enough oxygen. Oxygenius 160 par seconde, d'accord. Parce qu'on repompe en fait, on remet
Ouais, lui il collecte 72 par seconde, mec. Il en collecte pas assez. Voilà, c'est pour ça qu'il faut que je rajoute des feuilles. Donc je vais faire ce qu'il faut. Ok, cool. Bon, de l'autre côté, ça avance. On a fait quelques quêtes, notamment toutes les quêtes de Chopper et de d'Upgrade pour faire la méga usine à arbres. Puis bon, c'était pour compléter les trucs. Même si le Diamond Chopper, j'en aurais jamais besoin parce qu'il faut des haches en diamant dedans et j'ai pas de quoi produire des haches en diamant hein, pour l'instant, c'est un peu trop cher. Hop, on va poser tout ça. Oui. Toi qui mets plein de feuillage là-dessous. Ah non, tu récoltes plein de feuilles. Mec, y a tous les arbres qui ont poussé. Du coup, pour faire le petit truc là qu'on voulait faire, il faut que je fasse un relocator, des modules extraction, modules filter. Pour faire des transferts nodes. Non, c'est après les transferts nodes. Donc ces trucs là, ça permet apparemment de transférer, enfin avec du routing, de loin. Je sais pas si on a vraiment besoin de ça. Faudrait voir. C'est bien, j'ai du feuillage. Je pense très honnêtement qu'avec des pipes, mais on n'en a pas. On peut les crafter après en fait. C'est parce qu'on n'en a pas. Il me faut ces pipes-là, là. Les items transfert. Je vais faire ces quêtes tranquillement. J'ai besoin de verre, de conneries comme ça. Et on se retrouve après. Puis Épée continue avec sa petite oxygène là. Ouais, et puis bientôt il y aura un panneau solaire sur la toit, sur le toit. Ouh. Ouh, on va avoir plein d'énergie. Oh, ça pousse tes ender lilies. Au passage, cool. Ça c'est bien. 14%, cool. Alors, on se retrouve avec Épée. Bon, on a fait deux trucs de notre côté. J'ai pas voulu automatiser exactement comme je pouvais parce que la méthode qu'on m'avait donnée, c'est compliqué. Ça utilise des trucs de, comment ça s'appelle? Refine Relocation, je crois. Ouais, c'est ça. Et très honnêtement, j'ai absolument rien compris au mode. J'ai essayé de regarder un mode Spotlight, mais. C'est absolument pas clair, je préfère largement Ender IO, seulement on n'a pas ce qu'il faut pour crafter Ender IO. Parce qu'il nous faut un alloy smelter et on l'aura une fois qu'on sera allé sur d'autres planètes, donc on l'aura bientôt. En attendant, j'ai pu quand même automatiser un minimum. Tiens, si tu descends en bas, on a le petit four pour produire le charcoal, qu'on balance dans le coal generator, qui va nous filer de l'énergie, hop, voilà, pour crafter tout simplement Des haches. des haches. Je sais pas combien il faut, voilà, tiens, une hache. Et attends, alors, ça va en mettre une autre, hop, même deux autres, regarde. Oh putain, ça fournit plein d'énergie, mec. Ça c'est bien. C'est Ah, pratique, ça, 75 RF par tick, le coal generator. ouais, c'est beaucoup plus qu'un truc de Underio. Ouais, ça produit vachement. Enfin, ça produit vraiment beaucoup, hop, ça. Pas que je prenne. Donc, une fois que t'as plein de haches, tu les mets là-dedans. Voilà. Alors elles peuvent se stacker que évidemment si elles sont neuves. Ouais, Mais bon, on ça peut en va, faire 30. 256 H, tu peux y aller, hein. Ouais, voilà, on peut en faire 36 milliards. Et ça va alimenter directement le chopper qui est au-dessus. Et alors attendez, on va voir parce que c'est pas fini. Attends, je remplis de hache, comme ça on sera tranquille pendant très longtemps. C'est cool ça. Tuk-tuk-tuk. Ah d'accord, en plus tu peux paramétrer la machine pour qu'elle crafte lentement ou pas. De quoi les crafting tiers? Ouais, c'est super efficace. Là, elle est en crafting rapide, je crois. Putain, c'est cool. C'est plutôt pratique, hein. Je connaissais pas ça par rapport à tous les trucs de Médecins Craft. Et le pire, c'est que tu vois, là, j'ai que deux recettes de craft, enfin, j'en ai mis qu'une, Ouais. mais tu peux aller en mettre jusqu'à 9 et elles peuvent être descendantes. C'est-à-dire que tu mets que tes éléments de base et ça va passer à travers 9 crafts pour arriver jusqu'au craft final. Cool. Le seul truc par contre, il faudrait. Je me demande si on peut pas mettre un upgrade d'inventaire ou connecter un inventaire au truc. Parce que tu vois, il est relativement light en fait. Ouais. On a pas beaucoup de place non plus. Donc, à voir. Bon, voilà, j'ai fait toutes mes haches. Encore une qui traîne. Voilà, il y en a 144. Et si tu regardes au-dessus, bah t'es en train de couper. On va pas tout récolter d'ailleurs. Si tu regardes au-dessus, bah voilà, ça fonctionne. Il garde. À chaque fois, il va alimenter, il va manger une hache, le Darkwack. Dès qu'il en a plus, il va le stocker à gauche. Pareil pour les saplings et tout l'excédent Ça part part dans les ici. barils. Voilà, donc déjà, on a déjà deux stacks de bois, on a 14 pommes. Les saplings, on n'en a pas encore parce que c'est pas chargé à fond. Mais à force, on va en avoir masse. Voilà, Putain, mais 39 c'est saplings, dès que ça sera. cool.
Et du coup, voilà, j'ai juste mis un truc en sortie. Et là, ça va tourner pendant assez longtemps. Ça va pousser tout seul. Ça va tourner pendant assez longtemps automatiquement. Et du coup, on aura beaucoup, beaucoup de bois. On verra si derrière, on peut pas le décomposer et faire du crafting automatique aussi pour faire des carbone nanotubes. Ou faire l'autre usine qu'on voulait faire justement. Mais en tout cas, c'est plutôt. Voilà, c'est un bon début d'automatisation. Et là, vous avez remarqué, on a une belle bulle. On peut rentrer dedans. Oui, j'en ai chez pour faire la salle. Alors par contre, t'as vu, même quand on est là dedans. Oui, ça dépend, c'est en fonction de ta tête, principalement. Ah. Ou ça t'indique la zone limite. Ça met un peu de temps pour virer le. Ah, ou alors c'est juste un bug. Ah oui, non, c'est bon, c'était juste un bug. Ok, on a l'oxygène, bah on est tranquille. Et donc voilà, Épée a changé un petit peu la salle. Il a mis beaucoup plus de feuillage pour avoir assez d'oxygène. Je sais pas combien on en produit à chaque fois. 200. Voilà, 200. Et t'as mis un. Oh, on a un énergie storage module. Excellent. Donc on stocke de l'énergie. Oui. Et ça produit toujours autant d'énergie. Bon, il lui reste 20 millions de RF. On Ça est va. tranquille. Voilà, du coup, on va se laisser. C'est là pour aujourd'hui. On n'a pas. Ah bah, ah oui, dès que je sors, par contre, c'est un peu chiant. Il met un peu de temps à basculer sur les tanks. Ah bah On a pas j'imagine. mal automatisé de trucs aujourd'hui. Il faudrait qu'on. Ah bah, pendant ce temps, attends, tiens. Ah, excellent, ça a continué. On va faire notre set de la quadruple. On a. Quadruple. Voilà, j'ai une quadruple, mec. Quadruple. J'aurai bientôt mes quintuples. Ah non, j'ai deux quadruples, cobblestone. Oh bah ça va, on va être tranquille. Ça, on va laisser le truc se faire tout seul. De la redstone. Alors, j'ai fait masse redstone. La redstone, on peut obtenir avec du fer et du copper. En mélangeant les trucs. Bon, en attendant, ça continue. Donc voilà, on continuera la fois prochaine, tranquillou. Ah, c'est joli, la petite boule. Mais pas mal d'automatisation faite aujourd'hui. Ça va nous servir plus tard, certainement. Voilà, on fait des bisous. À la Bisous. prochaine. Ciao, ciao, ciao.